instant a une longue histoire, puisqu'il a été construit en 1888 ou 1889, donc il y a 130 ans, si je ne me trompe pas, par Louis de Bière, un célèbre facteur d'orgue qui a œuvré à Nantes. Louis de Bière, c'est celui qui a construit notamment l'orgue de chœur de notre cathédrale de Luçon. Et cet orgue a été installé à l'origine dans l'église de Couëx. À Couëx habitait le père Joseph Joubert, qui a été pendant près de 40 ans organiste de la cathédrale de Luçon et chapelain du Carmel de Luçon. Et donc la présence de cet orgue dans cette chapelle, procure cette heureuse coïncidence de retrouver un orgue qui a été joué par le père Joseph Joubert et que certaines sœurs ont connu, je crois. Ensuite, l'orgue a été déplacé, on ne sait pas en quelle année, et il s'est retrouvé jusqu'à il y a très récemment dans une paroisse du Choletais. Il n'était plus utilisé depuis un certain nombre d'années. Et par l'entremise de Jacques Davier, qui est facteur de piano et d'harmonium et d'orgue électronique au Givre, eh bien, il a été vendu et acheté donc, par le Carmel de Luçon, installé, en partie restauré, c'est-à-dire dépoussiéré, réaccordé. Et voilà. Et donc, c'est un instrument qui est en parfait état de conservation. Il est dans son état d'origine et donc il fonctionne comme au premier jour. Ce sont des instruments qui sont absolument étonnants. Voilà, au bout d'un siècle et demi, pratiquement, il est comme dans un état neuf. Voilà. Donc nous allons poursuivre la célébration. Et nous sommes très heureux que les sœurs puissent avoir cet instrument maintenant dans la chapelle pour accompagner leur chant. Seigneur Dieu, Seigneur notre Dieu, bonté toujours ancienne et toujours renouvelée, la sagesse garde l'univers dans l'harmonie, ta grâce donne à la terre sa beauté. À toi la louange incessante des cœurs des anges qui contemplent la splendeur de ta face. À toi le chant des étoiles dans leur course régulière à travers l'univers. À toi l'acclamation unanime des rachetés qui te chantent, Dieu saint, dans leur cœur, de leurs lèvres, par leur vie. Nous aussi, ton peuple saint rassemblé dans cette chapelle, nous voulons joindre nos voix à ce concert universel et pour que notre chant qui monte vers toi soit plus digne de ta voix, nous te demandons de bénir cet orgue pour qu'il accompagne de son harmonie nos louanges et nos prières et que nos cœurs te chantent dans l'Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Orgue, instrument sacré, soutient la prière des chrétiens.
Merci en tout premier à Guillaume Marionneau qui a osé nous proposer cet orgue et merci aux amis bienfaiteurs du Carmel qui nous l'ont offert généreusement pour soutenir notre mission d'intercession et de louange au cœur du diocèse et du monde. Merci à Monsieur Jacques Dervier qui a passé bien du temps pour le remettre en état et lui donner comme une nouvelle vie au Carmel. Merci à tous ceux qui ont effectué son transport, et ça n'était pas rien. Et merci d'avance aux organistes qui voudront bien nous rejoindre un jour, peut-être, pour faire résonner aussi ces beaux sons lors d'une fête au Carmel, simplement pour la joie d'accompagner notre prière. Et pour achever ce moment passé ensemble, nous vous proposons quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est de venir voir l'orgue, le découvrir dans notre cœur, après l'avoir écouté, un morceau final, dont vous pourrez vous avancer et le voir de plus près.